Nous passons à la parole. Nous avons dit que la Bible nous enseigne que le monde est tridimensionnel. C'est ainsi que la Bible dit que bien que nous marchions dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. C'est pour vous dire qu'il faut toujours arriver à naviguer entre les plusieurs dimensions de monde. Bien que nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et la Bible dit, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit, afin que tout genou fléchisse. Parce que Dieu l'a souverainement élevé, afin que tout genou fléchisse. Il y a des versions qui disent, des éléments qui sont aux cieux. Il y a des versions qui disent comme ça. Il y a des versions qui disent, des éléments qui sont aux cieux, des éléments qui sont sur la terre et sous la terre. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Nous avons ici le cas de cette dame. La Bible ne nous donne pas son nom. La Bible dit seulement que c'était une veuve. Alors cette veuve, Jésus rencontre cette veuve à la sortie de la ville de Naïn. Jésus était accompagné de ses disciples. Et une grande foule faisait route avec lui, d'après le verset 11. Et le verset 12 dit, « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, Jésus a vu les gens de la ville qui accompagnaient cette femme pour venir enterrer son fils. » Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible nous donne quelques détails, mais qui sont très capitales. Quelques détails, mais qui font l'objet de notre enseignement même ce matin. Parce que la Bible ne dit rien pour rien. Tout ce qui est écrit pour notre instruction. Tout. Les détails qui sont donnés sur chaque histoire, ces détails sont donnés pour notre instruction. Alléluia. Donc, il n'y a rien à jeter, il n'y a rien. Même quand vous lisez « engendra » et puis « engendra » et puis « engendra » et puis « engendra » mais vous autres, je sais quand vous arrivez à « engendra »,« engendra », vous passez vite pour arriver là où il y a le texte, il n'y a pas « engendra ». Mais tous les « engendra »,« engendra » là, il y a des vérités dedans. Tous les « engendra »,« engendra »,« engendra »,« engendra »,« engendra », ça c'est l'histoire du jeu ici, ça ne m'intéresse pas. Non, il y a des vérités dedans. Dans les « engendra » là, il y a des vérités. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme avait un problème. Cette femme faisait face au pouvoir de la mort. Elle s'est mariée comme toutes les autres femmes. Elle est entrée dans les mariages. Elle a eu un enfant. Parce que la Bible dit un fils unique. Elle a eu qu'un seul enfant. Peut-être qu'il y a des raisons derrière ça. Mais je vais vous montrer que les raisons derrière le fait que cette femme ait seulement eu un enfant, c'est toujours le même esprit des morts là. L'esprit des morts doit être exposé par la révélation afin que nous puissions savoir comment les combattre, comment le maîtriser, comment briser les liens de la mort et comment libérer l'autel de la longévité. Cette femme, pendant qu'elle vivait avec son mari, elle n'a eu qu'un seul enfant. Alors là, il y a deux possibilités qui s'élèvent immédiatement. Pourquoi elle n'a eu qu'un seul enfant? Alors que dans la culture des Juifs, les enfants étaient comme une richesse. Les Juifs, comme vous voyez Jacob, vous pouvez voir combien d'enfants il a eu, n'est-ce pas? Donc, il y avait eu un problème. C'est soit l'esprit des morts
était déjà en activité et avait tué sa fertilité. Parce qu'au fait, l'esprit des morts tue aussi, assassine aussi la fertilité de la femme, même de l'homme. C'est une activité de l'esprit des morts. Il part à la source de la progéniture et il tue déjà dès là-bas. Soit, l'esprit des morts avait tué son mari avant qu'il ne puisse, cette femme puisse avoir l'opportunité d'avoir un deuxième enfant. Il n'y a que deux raisonnements là-bas. Vous comprenez ça? C'est soit elle est devenue stérile après cet enfant, ou c'est soit le mari est mort et ne pouvait plus avoir un autre enfant. Deux possibilités. C'est ainsi qu'elle a eu un seul fils unique, la Bible dit. Alors il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que Jésus dit, Matthieu 24, on lui dit, quand est-ce qu'arrivera la fin du monde? Il dit, ce n'est pas à moi de vous dire quand est-ce que la fin du monde arrivera, mais je vous donne les signes. Quand vous voyez ces signes s'annoncer, sachez que la fin est prête. Les signes. Parce que des fois, Dieu ne nous parle que par des signes. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui opère des miracles, des prodiges et des signes. Les signes, ce sont les signaux de Dieu. Et quand vous les voyez, quand vous êtes assez éclairé spirituellement, quand vous voyez certains signes, ça ne trompe pas. Ça vous conduit réellement vers la vérité. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Et la Bible dit que cette femme a perdu son mari. La Bible ne dit pas pourquoi le mari est mort. Mais le mari est mort quand même. Alléluia. Le mari est mort. Quand il est mort, elle a pensé que ben, il est mort. Elle ne savait pas que ça continuait. Le combat ne venait que de commencer. C'est ainsi qu'il est important, bien aimé dans le Seigneur, d'être spirituel. Il est important d'être spirituel. Parce que quand vous êtes trop dans la chair, vous ne serez pas sensible à certaines choses qui exigent la sensibilité. Quand elle a vu que son mari est mort, elle a pensé que c'est la mort comme toute mort. D'un coup, le fils est aussi parti. Mais vous savez que quand une femme perd son mari comme ça et reste avec son seul fils, il voit l'enfant là comme une photo de son père. Il trouve une consolation dans cet enfant. Voyez, l'ennemi n'a pas pitié quand il veut écraser, effacer toute une famille. Il n'a pas pitié. Dans les combats spirituels, l'ennemi n'a pas pitié de toi. Il a effacé l'homme. Il ne s'est pas arrêté là. Ce n'est pas quand on enterre une personne dans la famille que l'esprit de mort va s'arrêter. Non. L'esprit revient encore. Cherchez qui dévorer. La Bible dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il va toujours revenir pour chercher. Jésus a enseigné, il a dit, quand il est chassé, il s'en va. Mais il rentre toujours avec cet esprit plus méchant que lui. Ça n'arrête pas. Et qu'est-ce qui arrive? L'esprit rentre maintenant pour emporter l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant avait fait? Absolument rien. Quelqu'un peut mourir innocent? Oui, quelqu'un peut mourir innocent. Quand l'esprit des morts est en train de ravager, il peut emporter n'importe qui. Il faut faire attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire attention. Moi, je suis conscient de ces faits spirituels à telle enceinte que je ne joue pas. Je suis très conscient de ce que le diable peut faire. Je suis très conscient que du jour au jour, il est derrière moi, il cherche.
cherche comment m'attraper. Alléluia. Je suis très conscient. J'ai déjà compté dans ma vie, 15 fois dans ma vie. 15 fois pendant lesquelles je suis venu face à face avec l'esprit des morts. Et j'ai échappé par la grâce. Mais il y a des gens, c'est eux qui peuvent compter même aussi plus de 15 fois. Même moins de 15 fois, mais tu peux compter 1, 2, 3, 4 fois. Tu dis, ces jours-là, j'ai failli mourir. Ce temps-là, j'étais presque en train de mourir. C'est la rencontre phare à phare avec l'esprit des morts. C'est une rencontre phare à phare avec l'esprit des morts. Ça m'est déjà arrivé pendant que j'ai conduit, j'ai déjà fait des accidents. Ça m'est déjà arrivé dans les avions. Tu vois, les avions comme ça avait s'écrasé. Les pilotes ne comprennent plus rien. Attachez vos ceintures, on ne comprend rien. Et là, vous pouvez imaginer quand on vous dit ça. Rosa karabantara barabara. Rekeke bébé yeshikarabara. Hein? Ça, vous comprenez, n'est-ce pas? L'esprit de mort n'a pas pitié. Il n'a pas eu pitié de cette femme. Non, elle souffre. Non, voyez, là, elle vient juste de perdre son mari. Qu'on lui laisse même ses garçons ici. D'ailleurs, c'était un garçon qui il n'est pas encore même productif dans la vie. Non! On est allé emporter même l'enfant. Et l'enfant est mort. Et vous savez quoi? La Bible dit que les gens de la ville était en train de l'accompagner vers l'enterrement au cimetière. Parce que vous voyez, à chaque fois qu'il est question de vie ou de mort, les hommes ne peuvent rien pour toi. Ils vont t'accompagner dans ton malheur. Moi, j'ai dit aux gens, il ne faut pas vivre pour les autres. Cette école, c'est une école difficile. Il ne faut pas vivre pour les autres parce que les jours de ton malheur, les gens t'accompagneront dans ces malheurs-là. Moi, je suis toujours écœuré quand je pars au deuil, peut-être à l'enterrement. Tu vois, on enterre à côté, mais il y a quand même des gens qui sont au téléphone en train de rigoler. Hein? Ils sont juste à côté, on enterre, là, juste à quelques mètres. Il y a des gens juste à côté là, au téléphone en train de parler, de rigoler. Mais ils sont quand même venus au cimetière à l'enterrement. Nous pensions qu'ils allaient compatir, la compassion. Compatir, c'est un verbe, comparer, qui veut dire souffrir ensemble, la compassion. Nous, on pensait que les gens qui venaient aux enterrements sont les gens qui viennent parce qu'ils souffrent ensemble avec toi. C'est faux. Les gens viennent pour marquer la présence. Alors, si vous êtes là, vous êtes en train de vouloir suivre le mouvement de tout le monde. Tu mourras seul. De la même manière que le salut est individuel, tu entreras au ciel seul. Seul. Il ne faut pas vivre dans un mouvement de masse. Un. Tu as ta destinée à toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Pas de mouvement de masse. On accompagnait la femme dans son malheur. Personne ne pouvait changer le problème qui est... Parce qu'elle était la suivante, vous savez. Cette femme était la suivante. Après son mari, après son enfant, elle-même allait partir. Quand on a détruit toutes les structures autour de toi, ta vie s'écroule. Les soucis, le stress, pression, dépression... Et puis, qu'est-ce qui arrive? Les organes commencent à céder. Et puis, on te tue à petit feu. Et puis, tu es parti. Il y a moyen, l'esprit des morts agit de plusieurs manières. Il peut te tuer aussi à petit feu. Te mettre sous pression. Et sûrement, l'objectif, c'est que tu puisses mourir. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Alors, l'esprit des morts, nous allons l'exposer ce matin. Le premier point, c'est qu'il tue la vie dans la semence de l'homme et même dans les ovules de la femme. Et ça crée ce qu'on appelle la stérilité. Numéro 2, il attaque et tue l'enfance comme du temps d'Hérode.
du temps d'Hérode, tellement qu'Hérode ne voulait pas entendre parler qu'il y a un roi des Juifs qui est né. Il dit, tuez-moi tous les enfants de moins de 2 ans. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est l'esprit de la mort. Tuez-moi tous les enfants de moins de 2 ans. Et on a massacré tous les enfants de moins de 2 ans. Vous imaginez? De la même manière du temps égyptien. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? C'est la même manière que le diable continue de travailler jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi il y a certains enfants, quand la maman est grosse, c'est pourquoi nous disons, maman, venez au réunion des mamans. On vous dit, il y a prière de maman le samedi, vous restez à la maison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Inscrivez-vous, on a donné des programmes ici. Inscrivez-vous. Mais les gens prennent des choses importantes et les gens prennent ça à la légère. Les gens négligent tout ce qui est spirituel, en train de poursuivre ce qui est matériel. Alors que le spirituel contrôle le matériel. Amen. Le spirituel contrôle tout ce qui est physique. Le spirituel contrôle tout ce qui est physique. Comme dit tant d'Hérode, certaines vies sont assassinées au bas, juste au début. Quand on voit qu'il y a l'étoile, nous avons vu son étoile paraître. Les mages ont dit. Les mages sont venus dire, nous sommes venus adorer les rois des Juifs qui viennent de naître. Car nous avons vu son étoile paraître depuis l'Orient. Nous avons vu son étoile paraître depuis l'Orient et les combats s'engagent immédiatement. L'esprit des morts rentre en action. Quand il voit l'étoile qui naît, s'il voit que tu portes en ton sein l'étoile de demain, le combat commence au premier jour de la grossesse. Ça doit tomber, ça doit sortir. Ça doit sortir, il y a pression. Après vous écoutez, l'école s'est ouverte, l'école. J'ai prié pour une maman, on me dit non, papa, 3e grossesse. L'école s'est ouverte, perdue. Couvert, perdu. 3e, on m'a appelé, j'ai dit maman, s'il faut coller ça, je viendrai coller ça. S'il faut coller, je viens coller. Cet enfant ne sortira pas au nom de Jésus. Tu arrives, j'ai dit non, Satan, tu as déjà assez combattu cette femme. Cette fois-ci, cet enfant ne sort pas. Vous savez, il y a des prières et des prières. Père, au nom de Jésus, je prends les papiers collants spirituels. Et je colle l'enfant. Les ouvertures, je les ferme jusqu'à 9 mois. Pas de prématuré, au nom de Jésus. Et vous savez, elle a accouché 9 mois après. Alléluia. 9 mois après. Non, mais l'enfant à l'église, j'ai dit. Je regarde l'enfant, j'ai dit, si ce n'était Dieu, si ce n'était ce genre de prière que nous savons faire, cet enfant ne serait pas en vie. Le diable allait le cribler comme il avait criblé les autres avant. Nous avons vu sur l'étoile paraître depuis l'Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Hérode dit, quoi? Vous avez une étoile? Tu es mort. Depuis quelle période? Il fait les calculs. Il dit, ça fait plus ou moins une année. Quelques... Mais pour être dans les bons, la fourchette est de 0 à 2 ans. Tuer tout le monde. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a, c'est un combat qui commence sur la vie de vos enfants. Dès qu'ils sont, dès le ventre, combat. Dès que l'enfant est né, combat. Parce que nous avons vu sur l'étoile paraître. Depuis l'Orient. Il s'est enquéri, combien de temps avez-vous vu cette étoile briller? Il voulait comprendre pour bien établir. Ce n'était pas pour s'informer afin d'aller adorer ensemble avec eux. Non, lui avait une autre mission. Il était venu adorer et il leur a dit, nous irons adorer avec vous. Non, lui n'allait pas pour adorer. L'esprit de mort ne vient pas pour adorer. Il y a certaines personnes qui ne viennent pas pour adorer avec toi. Il t'accompagne pour te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui t'accompagnent pour te détruire.
nous autres, on n'est pas dupes. Hein. On connaît toutes ces stratégies du diable. On connaît toutes ces stratégies de l'ennemi. Alléluia. 3. L'esprit des morts, il arrache autour de toi les êtres chers. Il a poursuivi le mari de cette femme. Il a arraché cette femme, son mari. Quelle peine pour cette femme. Est-ce que vous pouvez imaginer la douleur qu'elle avait dans son cœur de vivre sans son mari alors qu'elle était, elle était au moment où il devait se réjouir de son mariage. Cette douleur d'avoir perdu cet être cher, le papa de son enfant, son mari propre. Il arrache autour de toi les êtres chers. Quand tu vois les êtres chers partir à fleur d'âge, sache qu'il faut s'élever et ouvrir les yeux. Et comme si cela ne suffisait pas, le fils est parti. Et si Jésus n'avait pas rencontré cette femme les jours-là, je vous dis, je vous garantis que cette femme était la prochaine sur la liste. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Parce que c'est un esprit. Quand vous voyez les choses négatives se répéter de la même manière, de la même façon, sache qu'il y a un pouvoir derrière. Je répète. Quand vous voyez les choses négatives se répéter de la même manière, de la même façon, il y a un pouvoir derrière. Première fois, la même chose. Deuxième fois, ça se répète de la même manière. Il y a un pouvoir négatif derrière. Il y a une main invisible de Satan derrière. Pierre était là avec Jésus, hein, chaque jour. Il montait, descendait. Ils étaient là, ils causaient bien. Jésus les regarde et dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme les blés. Mais j'ai prié pour toi. Pierre regarde à gauche. Il n'a jamais écouté une voix de Satan quand Satan le réclamait. Mais Jésus qui la regarde, Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Le terme cribler veut dire quoi? Hein? Écraser, tuer. C'est-à-dire que Pierre était sur la liste de l'esprit de mort. Mais Jésus a aperçu cela. Il a dit, ah, Pierre ne part pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? L'esprit des morts cible. La cible, c'est toujours toi. Si les gens autour de toi tombent, sache que tu es sur la liste de l'ennemi. Si tu vois les gens autour de toi tomber, sache que tu es sur la même liste. C'est pourquoi il faut s'élever. Il faut s'élever. Il y a des gens qui sont tellement négligents à leur vie spirituelle, négligents à la vie de prière. Venez à l'église et à un programme de prière. Ils ne viennent pas. Ils pensent que quand ils vont mourir, nous, on va couper nos oreilles. Il ne faut pas couper les oreilles. Hein? Même le gouvernement de Macron n'a pas coupé les oreilles quand les gens sont morts, hein, sous Covid. On vous met dans les statistiques, c'est tout. On dit 214. Après, demain, on dit 58. On vous compte en chiffres. On ne vous compte pas par les noms, on vous compte par les chiffres. Quelqu'un m'entend ce matin? Prends ta vie au sérieux. Les choses que je vous parle sont réelles. Prends ta vie au sérieux. L'esprit des morts, il tue tout ce qui se passe, qui passe par tes mains. Tout ce qui passe par tes mains. Quand il est en activité, il tue aussi tout ce qui passe par tes mains. Il y a les gens à qui tu donnes de l'argent. Quand l'argent passe par ses mains, l'argent est asphyxié. Parce que chaque argent dans la dimension prophétique a en soi la semence de la reproduction. L'argent a en soi la semence et le pouvoir de la reproduction. Mais il y a des gens, même si tu donnes un peu d'argent pour faire quelque chose, ou bien un petit projet. Ça, si ça passe par ses mains,
le pouvoir de la reproduction est immédiatement assassiné. C'est l'esprit de mort qui est à l'œuvre. Tu vois, il y a des gens qui, malgré qu'ils peuvent tout faire pour économiser, ils n'économiseront jamais. Ils peuvent tout faire pour monter un projet, ils ne monteront jamais. Parce que tout ce qui passe par ses mains meurt. Je parle à quelqu'un? Même les relations, même si tu les mets en contact avec le plus grand bailleur de fonds qui puisse exister, cette relation-là mourra dans ses mains. Il y a des gens à qui il ne faut pas introduire partout. Hein? Parce que tu le mets quelque part, il abîme et pour toi et pour lui, il abîme pour tout le monde. Il abîme partout. Il abîme, vous tous, on vous met sur la liste noire, vous tous, sur la liste noire. Il y a des gens comme ça, ils tuent les connexions. Quand ça passe par lui, il les tue. Il y a des gens à ne pas amener partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? À qui est de l'intelligence spirituelle ce matin, ouvre tes yeux. Il y a des gens à ne pas amener partout. Alléluia. Il y a des gens à ne pas amener partout. Tu pars dans un rendez-vous, non, accompagne-moi où? Oh, je vais t'accompagner, tu m'accompagnes où? Tu ne m'accompagnes pas? Moi, je pars seul. Il y a des gens, si tu l'amènes sur un chemin, cet esprit de mort est en activité autour de lui. Il va tout tuer. C'est la même chose même avec les gens qui entrent dans des relations amoureuses, qui n'aboutissent pas. Quand il entre, puis ça s'écrase, il entre, ça s'écrase. Partout il passe, ça s'écrase. C'est parce que l'esprit de mort est en train de tuer toutes tes relations autour de toi. Alors que vous attendez seulement que la mort soit la mort constatée physiquement. Non. L'esprit de mort agit dans plusieurs dimensions. Il ne tue pas seulement les humains, il tue aussi les relations. Il tue les connexions. Il tue la reproduction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une maman de notre église qui, son mari, notre église au Congo, son mari est mort, elle était trop jeune. Elle est restée seule avec ses enfants. Elle souffrait. Elle a commencé à vendre, acheter les bouteilles de boissons gazeuses ici, les Fanta et les autres. Elle mettait ça dans son congélateur. Elle vendait, écrivant à la porte de la parcelle. Je vends les Fanta, Coca ici. Elle vendait comme ça. Elle gagnait par casier l'équivalent de 2 bouteilles. Elle vendait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a commencé à acheter un peu plus de quantité de casier de sucre. Un jour, elle est allée demander, elle a vu un camion passer, elle dit aux gens qui vendaient, les gens qui livraient, mais comment est-ce que je peux faire pour aussi que vous puissiez commencer à venir me déposer ma petite quantité directement ici? Elle dit, non, va au bureau, remplis, et puis parle au directeur, et puis on va, peut-être qu'ils vont te donner les conditions. Elle a pris son courage, elle est allée à la fabrication. Elle a raconté les délégués commerciaux, ils ont parlé. Elle dit, toi, tu achètes combien de cases? Tu achètes où? Elle dit, non, mais j'achète très loin. On a étudié, mais non, elle vend nos produits. Elle doit se ressourcer très loin. Mais les camions passent par là pour aller déposer dans un dépôt. On va créer un petit quota pour toi. On va commencer à déposer chez toi. On a commencé à déposer chez elle à la maison. Finalement, les gens autour ont aussi commencé à venir acheter maintenant des petits 2, 3, 4, 5 auprès d'elle. Alors, chaque 24 heures, elle vendait, tout est terminé. 24 heures, vendait, tout est terminé. 24 heures, vendait, tout est terminé. C'est parti. Brali m'a dit, la société de fabrication. Brali m'a dit, alors dans ce cas, tu es dans un coin très commercial. Alors, pour la section, nous allons commencer à décharger tous les camions chez toi. Tu auras un envoi à toi, on décharge tous les camions chez toi. Comme ça, tu vends. Après, voici comment tu vas commencer à faire les comptes. Ça marche comme ça. On a formé la maman. Tu fais ça, tu fais comme ça, et tu viens nous payer, et puis tu fais comme ça, et puis c'est comme ça que ça marche. Elle est partie. Dès là, dépôt de vente de boissons. Dès là, elle fait beaucoup d'argent, dans peu de temps, et puis elle commence à faire le voyage international, et fait l'import et export. Ce n'est même pas ça le témoignage. Le témoignage, c'est que même là où elle est partie, elle fait la Chine,
et fait des conteneurs. Aujourd'hui, elle fait des conteneurs et des conteneurs. Ce n'est pas fini. Aujourd'hui, elle a construit des supermarchés. Ce n'est pas fini. Certains produits comme des chaînes musicales à l'usine, la quantité de commandes qu'elle donnait, on lui a dit, ici, tu n'as même pas besoin que nous, on écrive notre nom. On va écrire ton nom à toi. Et là, maintenant, une marque de radio, de chaîne musicale qui se vend en son nom. Pourquoi je vous dis ça? Il y a des gens, quand l'esprit des morts est neutralisé, tu peux commencer avec 12 bouteilles et finir construire un centre commercial. C'est pourquoi je vous parle de ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'esprit des morts tue les opportunités qui s'avancent et s'annoncent devant toi. Il y a les gens, quand les opportunités s'annoncent, ils sont immédiatement détruits. C'est l'esprit des morts. Mais vous, quand vous pensez, quand nous parlons à l'esprit des morts, vous pensez seulement, je vais mourir, on va me tuer. Non, ce n'est pas le cercueil. L'esprit des morts ne veut pas dire le cercueil. Ça tue les opportunités autour de toi. Une vie sans opportunité est une vie de galère. La vie est faite des opportunités. Dieu est un Dieu d'opportunités. Il nous donne les opportunités. Il nous restaure les opportunités. Il nous ouvre les opportunités. Il nous amène les opportunités. Il nous connecte aux opportunités. Parce que, au fait, la vie de l'homme avance. Et quand il avance, Dieu continue de nous ouvrir les opportunités pour qu'on avance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. L'esprit des morts, dans certaines familles, vous avez vu, cette femme était veuve. Dans certaines familles, il y a des femmes qui se marient, mais qui perdent toujours les maris. Et les maris meurent souvent entre 40 et 50 ans. Pourquoi? Parce que c'est la période où la vie est à fleur d'âge. La période de productivité, la période d'excellence et d'avancée. C'est en ce temps-là que l'esprit des morts vient visiter. Entre 40 et 50 ans, dans la plupart des familles, c'est le moment où l'esprit des morts vient visiter certaines personnes. Il tue entre 40 et 50 ans. Et dans certaines familles, l'esprit des morts a un autel de sacrifice du sang qui réclame le sang de faibles esprits. Dans certaines familles, il y a l'autel de sacrifice du sang qui réclame le sang des esprits faibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, que faire? Quand nous comprenons toutes ces choses, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, nous devons élever l'autel de vie. En face de l'autel de la mort, il faut opposer l'autel de la vie. Vis-à-vis avec l'autel de la mort, il faut opposer l'autel de la vie. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset premier. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset 2 est très important. J'aime le verset premier, mais moi j'aime plus le verset 2. Le verset 2 de Romains 8, le verset premier, tu écouteras beaucoup de chrétiens qui sont déjà quand même allés à l'église assez. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est très bien. Mais le verset 2 est très important. Parce que le verset 2 explique comment est-ce que la condamnation ne marche pas. Le verset 1 est expliqué par le verset 2. Écoutez ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose ce matin? Il commence par dire, en effet,
Ça vous dit qu'on est en train de décortiquer la première déclaration. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. J'ai dit vrai. Amen. Mais comment est-ce que nous ne pouvons pas marcher sous les condamnations? Le verset explique. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie. La loi de quoi? Il y a une loi spirituelle qui est appelée la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit que c'est cette loi-là qui nous a franchis et du péché et de la mort. Et du péché et de la mort. Il y a une loi. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Ça veut dire, nous devons engager la loi de l'esprit de vie. Afin de lutter et de résister, de briser, de neutraliser l'autel des morts et les liens de la mort qui sont en train de détruire des vies. Nous devons mettre en action la loi de l'esprit de vie. Quelqu'un dit la loi de l'esprit de vie. Un peu plus fort, la loi de l'esprit de vie. Il faudrait activer la loi de l'esprit de vie. La loi, c'est l'ensemble de règlements qui font vivre une société et une vie, une communauté, un pays. Ce sont des lois. Quelqu'un m'entend? Alors, ce que la Bible parle ici, c'est la même chose qui est dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 13. La Bible dit, il a aboli les actes, il a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Jésus les a détruits en les clouant à la croix. Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est quelle loi ça? C'est la loi par laquelle nous abolissons l'esprit de mort. C'est la loi par laquelle nous détruisons les autels des morts. C'est cette loi-là, la loi de l'esprit de vie. Que faire? Il faut mettre, élever l'autel de vie. En faisant comment? En mettant en action la loi de l'esprit de vie. Et comment est-ce qu'on met en action la loi de l'esprit de vie? Un, la loi de l'esprit de vie est mise en action quand on est né de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut devenir chrétien. Un chrétien réel. Être né de nouveau. Être réellement né de nouveau. Quelqu'un m'entend? Quand on est réellement né de nouveau, parce qu'elle nous a franchis du péché, c'est la nouvelle naissance. Dès que tu as la nouvelle naissance, tu échappes à la mort. Donc ça, c'est la première chose. Comment mettre la loi de l'esprit de vie en action? Un, nous devons briser l'autel des réclamations par les prières de feu. Briser l'autel des réclamations par les prières de feu. Parce que c'est par les prières de feu que nous neutralisons l'assaut du diable contre nos familles. Pas les prières là où vous priez comme si vous priez pour en manger. Il y a des gens qui prient alors que la situation est sérieuse. Mais il y a des gens qui prient qui te font encore ça. Le diable écoutait ce genre de prière en 1938. En 1938, il y a longtemps. Toi, tu penses que ça continue de marcher jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est en 1938. À l'époque d'Auguste César. Quand les gens faisaient comme ça, et puis ça marchait.
Maintenant, là, on te met le poison à manger, là, toi, tu viens, tu fais ça. Tu vas mourir. On va t'enterrer dans des jours. On va t'enterrer. Tu fais même ça. On va t'enterrer dans des jours. On t'enterre. On va t'enterrer. C'est parce que j'ai donné ce témoignage ici. Il y a beaucoup d'années, je serais déjà mort. Je vous ai dit, j'ai déjà compté. Et puis, j'ai déjà compté il y a 15 fois. Que je suis déjà venu phare à phare avec l'esprit des morts. Après, j'ai abandonné de compter. Mais jusqu'à quand j'ai compté, ça faisait 15. Ça faisait 15 fois que j'étais venu phare à phare avec l'esprit des morts. Et il ne m'a pas eu. Au fait, je n'ai pas ajouté 16 fois parce qu'au mois de janvier, j'étais sous Covid. J'étais sous Covid, variant sud-africain. J'étais au Cap en Afrique du Sud, variant. Respiration. Tout était compliqué. J'ai dit, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. On va y arriver. Une fois, on m'a invité pour manger quelque part. C'est pourquoi cette histoire de manger chez les gens, moi je ne mange pas. Non, il est orgueilleux. Depuis qu'il a beaucoup d'argent, il est devenu orgueilleux. Oui. Oui. Dans mon orgueil, là, je continue de vivre. On m'a invité à manger quelque part. J'arrive. Je me mets à table et puis on sert. C'est un moment que j'ai déjà donné à beaucoup d'endroits. Et puis on sert. Je me sers. Et puis j'ai dit, on va prier. J'ai fermé mes yeux. J'ai dit, Rosaka Riabonto, Rosaka. Père, bénis ce repas au nom de Jésus. Pendant que je prie, je coûte l'assiette, c'est cassé en deux. Je parle du céramique. Je ne parle pas des assiettes chinoises. Je parle du céramique pur, bien servi, avec honneur. Racha karabonto roseke. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand vous dites au nom de Jésus, que tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, faut comprendre. Pendant que j'ai pris, quand j'ouvre les yeux, l'assiette n'était pas seulement cassée en deux. L'assiette était cassée en deux et séparée. Pam, boum, espace au milieu. Tout ce que j'avais servi est en train de couler sur la table. Je regarde. La personne que vous avez invitée, la dame dit, je m'excuse, c'est pas moi. C'est pas moi. Je m'excuse, c'est pas moi. C'est pas moi. Je m'excuse beaucoup, c'est pas moi. Donc, vous, les gens sont en train de mourir auprès de toi, toi tu pries, tu fais ça. Tu vas manger du poison, tu vas mourir. Ça a besoin de prières de feu. Rochakalab. Il y a des prières où tu ne parles pas en langue, mais tu langues. Tu ne parles pas en langue, mais toi tu langues. Tu langues toi-même. Rosakarababa. Rekeke, rekeke. Lo sokorobobo. La kakakakakaka. Rekeke. Ça, c'est pas parler en langue. Parce qu'il y a des gens qui parlent en langue, la met dans la poche. Rosokontoria bababa. Leke. Non. Il y a des dimensions où il faut languer. Toi-même, tu es la langue là. Il faut languer toi-même. C'est-à-dire que et toi et la langue, tu es dedans. Tu es dedans. Les gens en train de mourir. Il y a des gens qui sont en train de mourir, mais toi, tu viens à l'église. Au lieu de prier, tu es là en train de répondre au WhatsApp. Roshoko de bombo boyoko. La kaka. En train de répondre au WhatsApp. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de quel Jésus? Tu es en train de jouer. Tu joues. À chaque fois qu'il est question de vie ou de mort, la priorité devient la vie. Amen. C'est un principe. À chaque fois qu'il est question de mort ou de vie, la priorité est la vie. Qui peut prendre la mort comme sa priorité ici? Qui va accepter? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que c'est clair? Donc il faut comprendre ces choses. Il faut briser l'autel de réclamation du sang par des prières de feu. Pas des prières ordinaires. Il y a prière et prière. Il y a prière et prière et prière. Trois fois. Il y a prière et prière et prière. Moi, j'écoute souvent les gens, certaines personnes me font toujours rire. Ils disent, non, nous sommes allés en prière. Je dis, c'est aussi les prières. Je dis toujours, c'est aussi les prières. Nous sommes allés en prière, c'est aussi la prière. Parce qu'il y a prière, prière et prière. Quelqu'un m'entend? Il y a prière, prière et prière. Pas comme les prières là, les petites prières que vous faites là. Prière. Prière de feu. Prière de feu. Pas les prières là que vous faites politiquement correctes. Les prières diplomatiques. Faites des prières diplomatiques, des prières avec respect. Les prières. Non, vous venez à la prière comme vous êtes allé prier. Je pars pour prier. C'est ça que la Bible dit, enseigne de Jésus. Jésus, la Bible dit qu'il allait, il allait toujours à la montagne prier. Il allait toujours à la montagne prier. Il allait s'engager. Il priait, priait tel que ses sueurs tombaient comme des gouttes de sang. Il y a prière, prière et prière. Alléluia. Il y a prière, prière et prière. Nous sommes dans les temps de la fin. Et ce temps, l'ennemi est enragé. L'ennemi a dit rage et vous voyez partout les gens en train de mourir. Tout ça, il prend, c'est lui qui joue, il prend, c'est lui qui joue, il prend. Il faut briser l'autel de réclamation du sang par des prières de feu. Amen. Parce qu'il n'y a que le langage du feu qui fait reculer l'ennemi. Il n'y a que le langage du feu qui ferait qu'il l'aime. Parce que Satan n'a jamais compris le mystère du feu. Quand Sodome et Gomorrhe, il avait pris le contrôle de tous les pays de Sodome et Gomorrhe. Dieu a fait descendre du ciel le feu. Le feu. Le feu tombait comme la pluie. C'est un langage que Satan ne comprend pas. Et Jésus, on dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, le langage du feu, Satan ne le comprendra jamais. Quelqu'un m'a dit, pourquoi vous priez toujours le feu, le feu? C'est un langage que même toi, tu ne comprends pas. Même celui qui prie ne comprend pas. Même la science ne comprend pas le feu. Le feu n'est ni matériel. Le feu n'est ni abstrait. Le feu n'est ni du gaz. Tu ne peux pas toucher le feu. Le feu, c'est quelle matière? Le feu est mystérieux. Le feu n'a ni l'odeur. Le feu lui-même n'a ni l'odeur. Il est là. Tu peux le voir, mais tu ne peux pas. Quand tu le touches, il n'est pas là. Le feu, le feu, le feu. Les gens pensent que nous sommes en train de blaguer. Quand on dit le feu, les gens pensent que c'est des blagues. Non! C'est un langage super spirituel. C'est un outil de guerre. C'est une machine de guerre. C'est un bombardement du ciel. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Le feu. Il n'y a que les prières de feu qui peuvent briser les autels de mort. Prières de feu. Pas des petites prières là que vous faites là, comme si quelqu'un veut manger les frites. Les gens, j'ai vraiment pitié des gens des fois. Quand des fois, je comprends pourquoi les gens meurent. Des fois, quand je reste sur les autres, je dis, une autre partie. Une autre partie. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi avancer. Je ne sais pas si c'est le troisième ou quatrième point. Quatrième. Que faire pour activer la loi de l'esprit de vie? Il faut renoncer verbalement à la mort de tout. Il faut renoncer verbalement à la mort de tout. La mort de toutes choses. Renoncer verbalement à la mort de tout. De tout. N'ayez pas un langage facile qui s'accorde avec Satan. Renonce à la mort. C'est comme ça que David, dans Psaume 118,
Verset 17, il dit, je ne mourrai point, mais je vivrai afin de raconter les œuvres de l'Éternel. Il parlait de sa bouche, il dit, je ne mourrai point, je vivrai. Psaume 118, 17, je ne mourrai point, je vivrai afin de raconter les œuvres de l'Éternel. Il renonçait verbalement. Il renonçait verbalement. Dieu t'a donné la bouche pour conquérir ton monde. Pour vous, vous pensez que la bouche c'est pour manger? C'est comme ça qu'on pensait quand on était enfant, non? Hein? Ça, c'est comme ça qu'on pensait quand on était enfant. Vous, à ton âge, tu continues de penser que la bouche est faite pour manger? Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, à ton âge, tu ne peux pas continuer de penser que la bouche est faite pour manger. Non, ça c'est les enfants. Les enfants, ça pour eux, la bouche est faite pour manger. Mais la Bible dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai mis tout ce qui est d'enfant de côté. Maintenant, je parle comme un adulte. Je raisonne comme un adulte. Je fais tout comme un adulte parce que je ne suis plus un enfant. Pas parler comme des enfants. Il faut renoncer verbalement. Dieu t'a donné la bouche et la langue pour conquérir ta destinée, ton monde. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort, la vie et la mort. Allô, quelqu'un m'entend? La vie est quoi? Et la mort. Tu devais mourir, ta bouche. Tu devais vivre aussi, ta bouche. Ta bouche. Comment est-ce qu'on active la loi de l'esprit de vie en Christ? Romains 8, 2. En refusant, en renonçant verbalement à la mort de tout. Mon entreprise ne mourra pas. Mon entreprise ne fermera pas. Mon entreprise commence petit pour devenir grand. Il ne mourra pas. Mon capital commence peu pour croître, 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 croître et devenir un grand capital. Ça, c'est renoncer à la mort de tout. Mon mariage ne tombera pas. Mon mariage ne tombera pas. Mon mariage ne s'écroulera pas. Mon mariage ne tombera pas. Mon mariage ne s'arrêtera pas en chemin. Mon mariage ne s'écroulera pas. Tu refuses verbalement. Ne ferme pas ta bouche. Quelqu'un m'entend? Amen. Refuse verbalement. Quand tu regardes les enfants partent à l'école, ils ont des difficultés. Il dit, ces enfants sont des génies. Ces enfants sont intelligents. Ces enfants sont des génies. Ces enfants sont intelligents. Tu fais une confession sur la vie de tes enfants en renonçant verbalement les verdicts de Satan sur leur vie. Est-ce que c'est clair? Verbalement. Ne garde pas silence. Devant n'importe quelle situation, ne garde pas silence. Devant n'importe quelle situation, ne garde pas silence. Dis quelque chose. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quand une situation s'élève, dis quelque chose. La première réaction que nous avons devant une situation, au moins pour les hommes et les femmes spirituelles, la première réaction, c'est de défier cela par une voix de ta bouche. Dis quelque chose. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je ne mourrai point. Je vivrai. David disait ça. Il n'est pas mort. David disait ça. David disait ça. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je ne mourrai point. Mais vous, quand tu es malade, je vais mourir. Quelque chose te pique là au cœur. Je peux mourir. Je peux mourir. Non, si tu peux mourir, tu vas mourir. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Déclare quelque chose de contraire. Ne t'accorde pas avec Satan. Parce que ce qu'il veut, c'est que toi, tu puisses t'accorder avec lui afin de lui ouvrir grandement la porte. Je parle à quelqu'un. Est-ce que c'est clair, ça entre? On va terminer.
5. Comment faire pour activer l'autel de l'esprit de vie? Il faudrait offrir des sacrifices d'action de grâce sur l'autel de vie. Dieu, pour nous racheter, il a offert Jésus sur l'autel de Golgotha. Alors quand nous offrons, on se connecte à l'esprit de sacrifice. Il faudrait offrir, tu élèves l'autel de vie. Si l'autel de vie, tu y offres les sacrifices d'action de grâce sur l'autel. Encore donné. Ah, ça c'est le problème avec les gens. Encore donné. Ah, oui, encore et encore donné. Alléluia. Oui, absolument, absolument. 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 Alléluia. Quelqu'un est venu me demander, un jeune pasteur est venu me demander, il me dit, là, j'ai commencé l'église, ça fait quand même 4 ans, mais on souffre, les choses sont difficiles, les choses sont compliquées. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir peut-être même une percée financière? Tout ça, mais je lui dis, mais les choses que moi j'ai fait, si tu les dis, peut-être que tu ne seras pas tellement à l'aise avec. Parce que moi j'ai fait des choses très radicales. Il dit, mais non, dis-moi, mais je lui dis, mais ce n'est pas de la magie. C'est que moi je donne. À chaque fois que j'ai une opportunité, je sème. À chaque fois que je vois l'autel où il faut mettre les sacrifices, je mets les sacrifices. Mais ce que vous ne faites pas. Ah, il dit, mais comment tu connais que je ne le fais pas? Je dis, mais je sais à partir des résultats que tu as, je sais ce que tu ne fais pas. À partir des résultats que tu as, je peux te regarder et te dire ce que tu ne fais pas. Parce que c'est que si tu faisais ce que j'ai fait, tu auras les mêmes résultats que j'ai. Parce que Dieu est un Dieu de tous. Mais il est dans ses principes. Si tu ne respectes pas les principes, tu iras au ciel. Mais sur la terre ici, il y a des choses que tu ne verras pas. Ah! Ah! Il faudrait offrir des sacrifices d'action de grâce sur l'autel de vie. Parce que Dieu lui-même, pour nous racheter de la mort, il a offert Jésus. Tu as offert Jésus. Dieu lui-même, pour nous racheter de la mort, il a offert Jésus. Quand nous offrons les sacrifices, nous devons offrir les sacrifices d'action de grâce pour accepter ce sacrifice de Christ et se conformer à cela. C'est s'identifier à l'esprit de sacrifice. Si tu n'as pas ça, tu iras nulle part. Tu iras nulle part. Les opportunités vont mourir dans tes mains. Au mois de juin, je suis allé à Kinshasa. Au mois de juin, j'ai rencontré un jeune homme. Le jeune homme, il est venu pour la prière. Il dit que ils ont eu une recommandation pour aller voir un certain PDG. Ils avaient tous reçu la même recommandation. Ils étaient à 4. Quand ils sont arrivés, ils ont été reçus, ils ont déposé les dossiers, ils étaient compétents, et au-dessus de leur dossier, il y avait une lettre de recommandation. Et la lettre, quand j'ai lu la lettre n'avait que 2 lignes. Excellence, Vrigil. Prière d'assister ces candidats. Point. Ça a arrêté. La lettre était signée. Quand ils ont déposé, quand on a vu la lettre, ils ont vu seulement le protocole d'entreprise qui sort, qui dit Mademoiselle, entrez. Il y avait environ 1000 personnes qui attendaient là. On les a fait entrer. Quand lui arrive dedans, on les regarde, on dit, mais non, mais c'est pas toi. Il dit, non, c'est moi, j'ai... Il dit, non, on dit, non, c'est pas toi. Il dit, non, on l'a cheminé dehors.
tout le monde qui est resté, ils ont passé les tests, ont été recrutés. Une semaine après, on leur a envoyé la lettre de confirmation d'emploi. Des bons postes. Le poste venait avec une résidence, avec, c'est-à-dire qu'on te donne un logement de l'entreprise, vécu de l'entreprise et tout ça là. Et c'était parti pour lui. Il m'a dit, mais je n'ai pas compris. Omar, tu avais la même lettre? Oui, j'avais la lettre. Omar a mis tout. J'avais la même lettre. On m'a dit, ce n'est pas moi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand j'ai eu pitié de lui, il était face à face avec la percée de sa vie. Le moment tant attendu de sa vie était là. Ça passe ou ça casse. Mais cette fois-là, ça a cassé. Alléluia. Il faut offrir pour se connecter au sacrifice. Ça ouvre. Parce que l'esprit de mort agit comme on l'a vu avec vous. Il tue les opportunités, il tue les connexions, il tue les relations. Là où les autres passent, toi on peut te bloquer. N'est-ce pas? Là où les autres passent, toi on te bloque. Là où on vient, on compte. Tu es numéro 11, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On dit bon, 10. 11 rentrés. À partir de 11 rentrés. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est l'esprit des morts à l'œuvre. Il faut offrir pour débloquer les choses comme ça. Si tu es numéro 11 et que tu es c'est quelqu'un qui place les sacrifices sur l'autel, quand on compte, tu vas voir, il compte, il dit 10. Il dit 11. 11 entre. En principe, ça devait être 10, mais je prends 11. À partir de 12 rentrées. Tu dois toujours être l'exception de la règle. Amen. Toujours. Tu dois toujours être l'exception de la règle. Toujours l'exception de la règle. Ça, c'est quand la grâce de Dieu est à l'œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est quand la grâce est à l'œuvre. Gloire à Dieu. Le temps est parti. Amen. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous avez bien assimilé ces leçons? On n'aimerait pas seulement vous mettre debout. Amen, amen. Mais on aimerait que vous puissiez comprendre les choses qui changent vos vies. Les choses qui vous amènent à une autre dimension de la vie chrétienne, dimension de la vie spirituelle, les contrôles de la destinée, vous l'avez en main. Contrôle de la vie. Alléluia. Ah oui, ah oui. Je vous dis, ce n'est pas pareil partout. Hein? Les choses que nous vous donnons ici, ce n'est pas partout. Hein? Je vous dis, ce n'est pas pareil. Il faut une grâce exceptionnelle pour comprendre ces choses. Venez à l'église, dimanche, venez à l'église. Vous voulez qu'on vous appelle, viens à l'église. Venez à l'église avec empressement. Parce que quand vous venez, vous êtes exposé aux sentiments comme nous vous les donnons ici à Christ vivant. Venez prier, vous devez finir sans être poussé. Vous venez prier. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça l'église. C'est ça la vie de l'église. Nous n'avons que la parole de Dieu que nous vous annonçons afin que vous puissiez vous positionner. La décision est à toi. Même quand j'ai dit donner les sacrifices, prier, les prières de feu, renoncer verbalement, c'est à toi de décider. Moi, je ne viendrai pas offrir les sacrifices à ton endroit. Je ne viendrai pas faire des prières de feu chez toi à la maison. Encore que nous autres, on ne prie plus chez les gens. Ah, orgueilleux encore, regarde. Maintenant, si on doit venir prier chez vous, maintenant, vous ne viendrez jamais au temple. Nous, on veut que vous puissiez venir au temple. Venez prier ici, il y a des prières ici dans la semaine. Il y a des prières de maman ici chaque samedi, il y a des prières ici au courant de la semaine. Venez prier. Ça, c'est le temple de gloire en ces lieux. Ça, c'est le temple de solution ici, temple de délivrance. Venez. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Si tu es béni, acclame Jésus. Acclame Jésus si tu es béni.
Si la parole de ce matin t'a béni, acclame Jésus. Donne-lui les acclamations très fort. Il mérite l'honneur et la gloire.